À ces années euh, euh, gap years d'une certaine façon qui je crois ont duré un an ou deux je me souviens plus trop euh, j'ai également pas mal voyagé durant cette période et en particulier pour des, des circonstances euh, par le hasard j'ai eu l'opportunité d'aller à moindre frais en Inde et euh, ce voyage qui devait durer initialement euh, deux mois, quelque chose comme ça, en fait s'est prolongé pendant presque six mois. Euh, et avec un copain, euh, nous avons tenu, si j'ose dire, avec le peu d'argent que nous avions, pendant quasiment six mois et nous sommes revenus d'Inde en passant par... Le Népal, c'était évidemment la grande époque de la migra, des vagabondages hippies. Euh, donc, euh, et nous sommes revenus par le Népal, le nord de l'Inde, le nord du Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, euh, la Turquie, etc. Et euh, euh, j'ai été absolument estomaqué par les, à la fois les paysages, de l'asie centrale et par la prestance inouïe de ses habitants. et je suis revenu finalement à paris, enfin convaincue de deux choses. la première, c'est que je, oui, je voulais faire de l'ethnologie pour de bon, et deuxièmement, que j'allais travailler en asie centrale. Euh, du coup, je me suis inscrite au ce qui s'appelait le centre de formation à la recherche ethnologique qui se faisait à la sorbonne, euh, qui était une formation de maîtrise. Euh, et euh, euh, l'année suivante, euh, suivante c'est une bonne formation d'ailleurs, où je me suis fait j'ai rencontré des collègues qui sont restés des amis depuis d'ailleurs. Et euh, l'année suivante à ce qui s'appelait la formation à la recherche en anthropologie de l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, qui était une formation épatante, qui, de, une formation de première année de, doc, de doctorat, euh, où nous recevions des enseignements euh, dans tous les domaines, les branches, si j'ose dire, les domaines de, euh, de, de l'anthropologie. Très bonne formation. Euh, et là, j'ai eu comme prof... Euh, Godelier, évidemment, euh, dont les cours étaient, euh, étaient extraordinairement fascinants par l'intensité de justement de la, on sentait vraiment un, une intensité de vie, de travail intellectuel. Évidemment, tourné beaucoup autour des questions euh, de là encore de comment concilier, en gros. Euh, des approches marxistes euh, avec euh, à la fois dans et sur des objets anthropologiques, ethnologiques. Euh, Clastre euh, qui nous impressionnait euh, beaucoup par son charisme personnel. Euh, Simone Dreyfus, qui nous faisait un excellent enseignement en théorie de la parenté. Euh, Kiva était euh, un, un prof très apprécié de nous en formation à, à, à l'anthropologie européenne. Euh, J'en oublie sûrement, euh, Cresswell, Techno, tout ça. Enfin bref, on avait vraiment la crème, euh, si j'ose dire, euh, en matière d'enseignement. Et euh, c'est euh, à la FRA que euh, j'ai rencontré Philippe. Et. Euh, euh, et à la fin de cette année-là, euh, nous avons fait ensemble, un, on nous demandait un terrain, ce qu'on qu appelait un terrain didactique, un petit travail de terrain, et que nous sommes partis faire ensemble sur un village du Lot, en l'occurrence, qui, ma foi, à vrai dire, rétrospectivement, n'était pas si mal que ça. Et, euh, et nous avons euh, euh, commencé à, à vivre ensemble. Et euh, l'année suivante, Philippe préparait euh, la grecque de Philo et euh, nous nous sommes inscrits euh, tous les deux en thèse avec Jacques Soustelle sur un projet mexicain. Euh, il faut dire qu'entre-temps, Philippe m'avait converti euh, à l'américanisme. Lui avait un fort tropisme sud-américain pour des raisons familiales euh, et il avait réussi à me convertir euh, à à l'américanisme, euh, d'autant plus facilement qu'en réalité mon enthousiasme pour l'Asie centrale euh, euh, je, 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 euh, avait été un peu tempéré, entre-temps j'avais un peu lu sur, euh, sur ces sociétés, qui me paraissaient des sociétés assez peu aimables au sens littéral du terme, et en particulier pour une femme. Et effectivement, beaucoup de... Enfin, les quelques personnes qui spécialisent de cette région que à qui j'ai été demander un peu des conseils euh, me disaient très difficile pour une femme d'y travailler et surtout d'y travailler comme je souhaitais le faire, c'est-à-dire en fait en homme. Euh, je ne voulais pas du tout y travailler sur les femmes. Je voulais travailler comme travaillaient les hommes et ça, c'était très probablement. Euh, c'est très, très probablement euh, impossible. C'est vous dire au passage que le féminisme me touchait de façon très superficielle encore euh, à l'époque et il m'a fallu beaucoup de temps, vraiment, je dois l'avouer, beaucoup de temps pour me rendre compte que, et surtout l'émergence de figures comme Strathern, comme, euh, comme, comme euh, Donna Haraway, etc., euh, pour me rendre compte que le féminisme pouvait être une formidable ressource à la fois intellectuelle et, et personnel. Euh, Ce n'était pas du tout le cas pour moi euh, dans ces, dans ces années-là. Euh, donc pour en revenir au fil euh, chronologique, nous, voulions, donc, euh, nous envisagions d'aller faire un terrain euh, au Chiapas. Et euh, nous sommes partis en, je ne sais plus, ça devait être 74, 75, quelque chose comme ça, euh, faire, un, euh, faire un, un terrain auprès de groupes de langue celtale, euh, des colons qui étaient descendus dans les basses terres pour des, des raisons de pression euh, sur, euh, sur les terres, etc. Et euh, il paraissait intéressant de s'intéresser à ces colonies de gens qui jusque-là vivaient dans les hautes terres du Chiapas et qui descendaient, s'installaient en forêt euh, assez près de la zone La Condonne. Euh, ça n'a pas été un terrain heureux euh, parce que d'une certaine façon, les gens chez qui nous nous sommes installés étaient eux-mêmes très peu heureux. Euh, ils étaient depuis très peu en forêt, s'y sentaient mal, euh, ça se sentait, ça se voyait. Euh, une des manières de réagir à l'angoisse de ce nouveau milieu, d'être obligé d'inventer des nouvelles formes de subsistance, des nouvelles modes de vie, euh, était que euh, euh, c'était une sorte de ramassis de, de carrés, comme toujours, euh, de cahutes euh, assez sommaires autour d'une place très boueuse, parce que rien ne poussait encore. Encore vraiment dans les jardins, euh, un haut-parleur qui euh, a donf euh, absolument en permanence. Et ça, c'était très, très pénible, évidemment, euh, qui noyait les bruits de la forêt environnante, euh, et ainsi de suite. Et euh, on avait l'impression. Les gens, évidemment, ne voulaient pas du tout parler de. De toutes les choses qui font l'infinie et incroyable richesse de ces sociétés du Chiapas, les rituels, le, une intense, une, en fait une tradition d'une incroyable richesse, et qui était là. Mais il ne voulait pas en parler. Parce que justement, d'une certaine façon, il se disait, c'est une nouvelle vie. Et euh, à quel point nous avons d'une certaine façon raté l'intérêt de ce terrain, euh, on le voit rétrospectivement au fait que. Ce sont précisément ces endroits-là qui, 20 ans après, allaient devenir les foyers du zapatisme. Euh, mais rien de tout cela euh, n'était, en tout cas pour nous, perceptible euh, à l'époque. Et du coup, on est rev... Et en plus, circonstance aggravante, il se trouve que c'était envahi euh, d'étudiants de Thésard américains, puisque cette région était encore couverte par un immense projet collectif de Harvard. Euh, et en été, euh, l'époque où nous y étions, euh, puisque nous faisions notre, notre terrain pendant les vacances d'été en réalité, euh, il y avait 80 étudiants euh, de Harvard qui déboulaient, euh, euh, qui déboulaient dans, dans ces communautés pour faire leur travail de thèse, eux aussi. Bref, euh, décourageant. Et donc nous sommes euh, revenus, mais non sans avoir entre-temps... Euh, au cours de, pendant de ce bref séjour dans ce petit Bled, euh, nous avons été visités avec un guide, un indien celtal local, euh, une famille de Lacondons, euh, à 3-4 heures de marche de, de cette communauté. Et euh, ces Lacondons euh, nous ont reçus avec un manque d'intérêt, une totale indifférence. Qui m'a absolument sidérée. Euh, c'est comme si on n'était pas là. Euh, et ça m'a beaucoup impressionnée, je crois Philippe aussi. Et du coup, on est. Ils nous ont permis de nous asseoir, en... voilà, euh, et c'est tout. Et donc on a passé une heure ou deux simplement à regarder ce qui se passait, à les regarder, jamais un regard, jamais un mot. Euh, ça nous a beaucoup impressionné et, et on s'est dit, ça c'est des vrais Indiens. <laughs> et euh, et du, coup, euh, du coup nous est venue l'idée, au fond, ça c'est des vrais Indiens, ça c'est des Indiens tels que nous on les rêvait, complètement idiots, mais c'était comme ça. Euh, et pourquoi pas aller directement à la source, autrement dit en Amazonie. Et donc du coup, euh, de retour à Paris, euh, nous avons commencé à lire beaucoup sur l'Amazonie, et notamment sur l'Amazonie occidentale. Et puis nous avons fini par aller voir euh, Soustelle en lui disant, ça c'est toujours un moment un peu délicat, euh, qu'on voulait changer de direction de thèse <laughs> et, euh, que, et surtout d'orientation de, de, de thèse et qu'on préférait et qu'on voulait aller travailler en Amazonie. Et, euh, et avec les strauss Bon, euh, a été très décent, je dois dire, euh, et, et nous a dit écoutez, faites comme vous voulez. Euh, donc, on va voir les strauss et on lui demande s'il veut bien nous prendre en thèse. Euh, il nous dit, euh, écoutez, débrouillez-vous avec Soustelle euh, d'abord. Bon, Bref, la négociation s'est faite. Euh, et entre-temps, euh, on lui a dit, oui, on pense nous orienter plutôt vers l'Amazonie occidentale. Euh, et c'est lui qui nous a orienté vers les Givaro en disant, écoutez, ce bloc-là, il y a très peu... Il y a énormément de littérature, mais dans l'ensemble très mauvaise, en quoi il avait parfaitement raison. Il y a eu une monographie, celle de Harner, euh, euh, celle de Michael Harner, euh, People of the Sacred Waterfalls, euh, sur les choirs, qui n'était pas hum, de nature, disons, à révolutionner euh, l'anthropologie, même si elle était évidemment, elle apportait des données précieuses. Donc, on a commencé à lire euh, tout ce qui nous tombait, tout ce qu'on pouvait sur, euh, sur les givarots. Euh, et l'idée d'aller travailler dans ce coin-là nous intéressait d'autant plus que la plupart de nos collègues, de nos jeunes, de, de, de nos co-thésards, euh, travaillaient en, Ama en Colombie, euh, Amazonie du Nord-Ouest, dans, dans l'ensemble tucano arawak disons, euh, ou alors euh, beaucoup plus au sud, euh, chez les. Les Arawaks pré-andins, des gens comme les Kampa, les Matsigenga, etc., euh, ou plus au sud, ou plus, enfin bref, dans la partie euh, centrale du Piémont euh, du Piémont andin euh, pervien. Et, euh, et pas grand monde sur cette région précise de la haute Amazonie proprement dite. Euh, donc. Euh, par ailleurs, euh, en lisant la littérature sur les Gibraltars, c'est vrai que ces gens-là nous fascinaient de plus en plus euh, parce qu'ils présentaient vraiment une sorte d'énigme sociologique, puisque euh, d'après tous les récits, euh, tout ce qu'on en savait, euh, une société euh, travaillée par un, un espèce de bellicisme compulsif, euh, un état de guerre permanent, euh, à la fois entre euh, maisonnées, ils habitaient en plus de façon complètement dispersée. Euh, en gros, une situation de conflictivité permanente, euh, à peu près, apparemment, euh, entre maisonnées, entre tribus. Bref, des gens qui passaient leur temps à se faire la guerre, qui avaient très peu, semble-t-il, de rituels, de grands rituels collectifs, hormis ceux liés à la guerre. Et donc, du coup, euh, la question de qu'est-ce qui pouvait tenir ensemble cette société était très mystérieuse. Et la tenir ensemble, en plus dans la durée, parce que, autre chose remarquable, euh, c'est quand même des gens euh, qui avaient résisté durant quasiment quatre siècles à euh, la pénétration par les forces de colonisation, et qui, encore à l'époque, euh, Étaient relativement souveraines et autonomes sur, sur leur territoire. Euh, donc, effectivement, une société qui avait tout pour, pour euh, disons, euh, stimuler l'imaginaire de jeunes ethnologues euh, en recherche de, euh, entre guillemets, vrais sauvages. Du coup, euh, nous commençons à préparer. Euh, le terrain à chercher des financements, euh, ce qui était plus difficile euh, à l'époque qu'aujourd'hui, euh, on qu'il puisqu'il n'y avait pas encore de vraiment de, il n'y euh, euh, avait pas de contrats euh, doctoraux, euh, les laboratoires, euh, les thésards n'étaient pas intégrés aux laboratoires et, et donc euh, on pouvait tout au plus grimpier de temps en temps euh, un peu d'argent dans les laboratoires. Il se trouve qu'entre temps, euh, j'avais, grâce à un petit héritage de ma grand-mère, euh, on avait pu acheter un petit appartement euh, à la goutte d'or, euh, très décati, que nous retapions petit à petit. On l'a loué euh, et du coup, ça nous a apporté un peu d'argent euh, pendant que nous, y, nous allions euh, sur le terrain. Et puis de l'aide familiale euh, et amicale, notamment. <laughs> Euh, il se trouve que Philippe et moi, nous nous sommes mariés peu de temps avant de partir sur le terrain, et nous avions notre liste de mariage euh, consistait euh, exclusivement en équipement pour le terrain. Donc, euh, nous avons euh, demandé euh, des, des, des sacs à dos, des, 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 des sacs de couchage, euh, un fusil. Euh, une planchette topochex, etc., une boussole, que sais-je. Et, euh, et tout ça nous a été euh, gracieusement et généreusement donné à l'occasion du mariage. Euh, il se trouve aussi que la famille de Philippe est infestée de médecins et euh, qui nous ont donné des vastes réserves d'échantillons médicaux euh, qui se sont révélés extraordinairement utiles. Et donc, euh, on était assez bien parés de ce côté-là. Euh, je me souviens aussi, je crois que Philippe en parle dans l'élan du, du crépuscule. Euh, nous sommes allés avec une intense satisfaction aller acheter de la verroterie euh, dans une boutique spécialisée près du boulevard Saint-Martin, si mes souvenirs sont bons, euh, puisque euh, apparemment ça c'était quelque chose qu'il fallait amener sur le terrain. Euh, et histoire de persister dans la veine euh, explorateur un peu rétro euh, <laughs> euh, qui nous enchantait, nous avons décidé d'aller en Équateur en bateau. Euh, et nous avons pris un cargo mixte pour euh, euh, aller en Équateur, un bateau qui partait de La Rochelle. Euh, carthagène, euh, canal de panama, euh, buenaventura, guayaquil, callao, etc., qui euh, transportaient des explosifs D'ailleurs, et on était trois passagers. c'était absolument épatant. Euh, le seul autre voyageur était un curé, américain, un jésuite américain euh, qui allait travailler dans les barriadas de lima, en l'occurrence, un homme de fort bonne compagnie. Et, euh, et, et donc voilà, bref, euh, on, on arrive finalement euh, à, à Quito, euh, on s'installe dans un boui-boui euh, dans la vieille ville et on commence les démarches pour obtenir les permis pour aller euh, sur le terrain euh, auprès des atchoirs. Auprès des euh, enfin, des choirs, on ne savait pas encore trop exactement où on allait atterrir. Euh, visiter évidemment les institutions universitaires les chercheurs locaux euh, et hum, il euh, y avait à l'époque un poste important de l'ORSTOM, euh, ce qui est devenu l'IRD par la suite, euh, mais un poste Horstom important, et euh, qui nous ont très gentiment accueillis, et au bout d'une semaine ou deux ou trois, je ne me souviens plus trop, l'un d'entre eux euh, a très gentiment proposé de nous accueillir chez lui, euh, plutôt que nous continuions à vivre à l'hôtel, et, et Emmanuel Forou et c'est ce que nous avons fait et d'ailleurs c'est eux qui nous ont hébergés par la suite chaque fois qu'on revenait du terrain ce qui était un énorme soulagement, un énorme soulagement pour nous et puis nous sommes ensuite partis en zone Chouard pour sur le piémont oriental dans les petites bourgades du piémont pour euh, à la fois euh, aller dans la mission salésienne qui était le cœur, au cœur de la zone euh, Givaro, en somme, euh, et, et qui était les instigateurs et encore restait à l'époque très proche de la Fédération des Centres Choirs, première grande fédération indigène créée en Amazonie, euh, et donc pour voir d'abord pour euh, demander encore à la Fédération la, le, le, la permission d'aller travailler auprès des des, des Atchoirs, euh, que la fédération à l'époque d'ailleurs ne couvrait guère, puisque c'était vraiment euh, exclusivement Choir à l'époque, euh, et surtout pour euh, parler avec euh, des collègues, il euh, y avait déjà euh, y avait des volontaires italiens qui travaillaient avec la fédération Choir, euh, et il y avait surtout des missionnaires salésiens qui étaient des formidables connaisseurs euh, du monde. Du Mont Givaro euh, et qui, contrairement aux Salésiens dans d'autres régions de l'Amérique du Sud, formait un petit noyau de Salésiens progressistes euh, très influencés par euh, Vatican II, euh, par euh, la, théo la théologie de l'incarnation et euh, et qui, du coup, d'ailleurs, qui ont fini par avoir des gros ennuis avec leur, leur hiérarchie, euh, qui leur a beaucoup mis les bâtons dans les roues par la suite, mais euh, euh, qui étaient passionnés par la culture chouard et euh, qui, euh, qui en connaissaient énormément sur eux. Et donc, euh, et puis, euh, il rencontrait surtout quelques collègues ethnologues qui travaillaient dans la région, et euh, tous nous ont dit il faut aller travailler chez les Achouars du Nord. Euh, on sait très peu de choses sur ces gens, personne n'y travaille, euh, et euh, voilà où vous devriez, euh, voilà où vous devriez aller, aller faire du, du terrain. Et euh, c'est donc. Euh, ce que nous avons choisi de faire. Nous sommes d'abord rentrés évidemment à Quito, euh, prendre tout notre équipement, redescendu euh, au nord du Pastassa cette fois pour aller dans la zone nord à au nord du Pastassa, euh, pour diverses raisons euh, très compliquées. Il y avait un village à enfin une communauté à récemment créée dans laquelle il y avait une petite piste d'atterrissage, mais les missionnaires Évangélique, qui avait le monopole des vols vers cette, ces lieux, euh, était très réticent à nous prendre. Nous-mêmes étions réticents à le faire. Nous av avons attendu des heures avant d'avoir un vol. Finalement, nous avons décidé de prendre un vol militaire qui nous dé déposait dans une garnison militaire équatorienne à deux ou trois jours de marche au nord de la région où nous voulions aller. C'est ce que nous avons fait.